une belle évolution de ce que j'ai connu en MPC. On a gardé les essentiels, notamment les 16 pads, et ce côté ultra intuitif d'avoir les choses sous la main avec ce ressenti de la percussion. En y ajoutant ce côté plus moderne de toutes les banques de sons, de tous les plugins, de toutes les synthèses, etc. Donc d'un seul coup, avec ce clavier, on a un peu tout sous la main, quoi. Ce côté aussi où on peut brancher un micro direct dessus, avec aussi la préamplification qui permet de brancher un micro autre que dynamique. Donc moi, c'est ce qui me plaît, en tout cas, c'est ce côté tout embarqué. Si j'ai envie de bosser à distance ou même pour du live, le fait d'avoir tout sous la main, c'est mortel. Donc pour moi, c'est un outil de travail pour être rapide, être dans la spontanéité, passer d'un son de basse à un son de piano, à un son d'orgue, à un son de synthé, pouvoir tester plein de sons différents très vite en fait, c'est ça l'intérêt.